Salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler enfin de mes premières lectures de 2022. Il était temps parce que j'ai quand même déjà pas mal lu sur le mois de janvier. Et comme d'habitude, Laurent, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend son temps, il lit, je pose les livres et je dis oui, je vais faire les chroniques, je vais les faire en vidéo, je vais les faire. Et puis, tout s'accumule, tout s'accumule, tout s'accumule. Et au final, ben, je fais rien. Donc, il était peut-être temps de m'y mettre. Du coup, pour cette vidéo, je vous ai préparé 5 romans dont je vais vous parler. Donc, on commence tout de suite. Donc, tout d'abord, j'ai découvert le premier livre de mon challenge 2022 sur les reliques de ma pal. Donc, c'est Hate List de Jennifer Brown. Donc, ici, au livre de poche jeunesse, un livre que j'ai depuis très longtemps, que j'ai sorti, et j'ai bien fait de le sortir. Donc, ici, on suit Valérie, qui est en couple avec Nick. Ils sont tous les deux lycéens. Et en fait, ils subissent tous les deux du harcèlement d'autres élèves. Et Valérie, pour essayer d'extérioriser ce mal-être qu'elle a constamment avec les gens qui sont sans arrêt sur son dos, elle décide de créer une liste de tous les gens qui lui ont plus ou moins fait des critiques ou lui fait du mal, alors que ce soit psychologiquement ou bousculé ou un regard de travers, ce genre de choses. Et elle décide de tout mettre sur le papier. Donc elle commence à établir toute une liste de gens qui l'énervent et qu'elle déteste. Elle la partage à Nick. Mais elle met ça en toute innocence, j'ai envie de vous dire. Vous savez, c'est comme quand on dispute avec quelqu'un et qu'on lui dit des choses qu'on ne pense pas. C'est vraiment sur le coup, ça l'a énervé, elle le met. Mais jusqu'au jour où il se passe un truc très très grave, c'est que Nick déboule dans l'espèce, je crois que c'est une sorte de cantine, dans la cantine du lycée, et il se met à abattre tous les gens qui sont sur sa liste. Et ensuite, il se suicide. Valérie est complètement traumatisée, hein, vous pensez bien, par ce qui s'est passé. Et quand le roman débute, elle doit reprendre l'école. Donc elle a été suivie par un psychiatre, par un psychologue. Et elle doit revenir sur le chemin de l'école et elle a une hantise, c'est qu'elle se sent atrocement coupable. Alors en soi, oui, quelque part, elle y est, puisque Nick a suivi ce qui est écrit sur ce carnet, mais elle en soi, elle n'a rien fait. Mais c'est le regard des autres. Et elle l'avait déjà avant qu'il se passe le drame, mais là c'est encore présent. Et du coup, on va suivre Valérie et ses pensées, ses peurs et tout ça. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors, c'est pas un coup de cœur, je saurais pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas. Pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est vraiment une excellente lecture. Après, plus un coup de cœur ou pas, ça change pas grand-chose. Moi, j'ai beaucoup aimé le ton de l'autrice. Déjà, la plume est très fluide, ça se lit très, très bien. Donc, un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc, tout le long, vous êtes dans la tête de Valérie qui essaie de survivre, il n'y a pas d'autre mot, tout ce qui se passe. Mais alors, trigger warning hein, pour les gens qui sont très sensibles, c'est que la première partie, vous allez avoir des flashbacks de tout l'attentat. Donc, je sais que certains, ça peut être assez choquant. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez dur, même si elle rentre pas dans les détails, mais elle rentre quand même un peu dans les détails, dans le sens où, vous savez, faut bien qu'elle expose ce qui s'est passé et qu'elle nous montre un peu le drame pour qu'on ressente mieux derrière ce qui se passe, quoi. Parce qu'en plus, vous saurez que dans cet attentat, il n'y a pas d'autre mot, c'est pas vraiment un attentat, mais dans le drame qui est survenu dans cette cafétéria, il y en a qui ont survécu, mais à quel prix, quoi? Donc vous allez découvrir tout ça, vous allez vraiment rester avec Valérie. Moi, Valérie, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Cette gamine-là, elle m'a vraiment fait mal au cœur et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans le livre et de la prendre dans mes bras pour que ça aille mieux, quoi. C'est qu'elle se retrouve seule contre tous. C'est qu'elle a ce sentiment de culpabilité par rapport à la liste qu'elle a écrite, mais elle n'est pas passée au geste. C'est son copain qui l'a fait. Elle est en soi, elle est responsable de rien. Comme je vous dis, c'était juste des mots jetés sur le papier pour exorciser cette colère qu'elle avait, cette tristesse. Mais à aucun moment elle ne pensait vraiment à ce qu'elle écrivait. C'est voilà, c'est comme une dispute. Je vous dis, des fois on va s'engueuler avec quelqu'un, on va lui dire des mots qui dépassent notre pensée, et on regrette aussitôt, mais c'est dit, mais c'est tout. Que là, les actes, les conséquences sont beaucoup plus graves. À côté de ça, on va voir aussi dans sa famille comment ça se passe. Il y a ses parents qui se déchirent, qui sont en plein divorce. Elle est le milieu de tout ça, elle n'en peut plus. Je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas trop vous spoiler. Je veux vraiment que vous découvriez ce que affronte Valérie. Mais sous-jacent dans ce texte-là, vous aurez vraiment cette idée de Valérie qui est une lycéenne, donc qui est encore une adolescente, qui n'est pas totalement sortie je vais dire, de l'enfance. Mais qui n'est pas totalement rentré dans l'âge adulte. Vous savez, ce lycée, c'est un peu cette époque charnière avec la fac, où on n'est plus vraiment enfant, on n'est pas encore vraiment adulte, on est vraiment entre les deux, le cul entre deux chaises. On a souvent les sentiments à fleur de peau, on est encore en fin d'adolescence, on découvre encore les choses.
Enfin, c'est assez compliqué au niveau émotionnel et hormonal. Et du coup, là, suite à ce drame, Valérie, elle est bousculée carrément du côté adulte, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Elle doit prendre ses responsabilités en main, donc cette idée de culpabilité. Il y a vraiment tout ça qui se mêle. C'est vraiment bien amené, je trouve. C'est jamais trop dans la facilité. Je trouve que l'autrice n'est jamais trop non plus dans le larmoyant. Elle arrive à rester, je trouve que c'était assez juste, enfin... C'est mon avis, hein, mais moi je trouvais que c'était assez juste. À côté de ça, on va découvrir aussi le pourquoi du comment elle a fait cette liste. On va découvrir plus en détail. Donc on va beaucoup aborder le harcèlement et je trouve que c'était très très important d'en parler. Dans les romans jeunesse, parce que le harcèlement... Moi personnellement, je l'ai connu quand j'étais au collège. Moins au lycée, mais je l'ai connu au collège. Quelque chose d'assez dur. Je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus mis en lumière. Mais à côté de ça, c'est beaucoup plus présent aussi, parce qu'il n'y a plus du harcèlement qu'à l'école. Moi à l'époque, il n'y avait que l'école. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc le harcèlement, il s'arrête vraiment jamais. Moi, je sais que j'étais embêté à l'école. Quand je rentrais chez moi, j'étais tranquille. Maintenant, vous êtes poursuivi, même chez vous. En fait, vous quittez l'école, mais ça s'arrête vraiment jamais parce que vous avez votre téléphone portable, donc on peut vous envoyer des SMS. Vous avez tous les réseaux sociaux, on peut vous envoyer des messages privés. Enfin, c'est un calvaire et je trouve que... Elle ne le dit pas dans ce livre-là, mais c'est quand même expliqué d'une certaine façon. C'est qu'il faut en parler quand ça va pas. Il ne faut pas garder ça pour soi. S'il y a des ados qui regardent, moi je l'ai vécu, le harcèlement, je sais ce que c'est. Peut-être pas, c'était peut-être pas si violent, mais même au niveau psychologique, c'est assez lourd à porter. Et moi je sais que j'en ai toujours parlé à mes parents, plus ou moins. Il y a toujours cette peur d'en parler. Parce que vous dites, si j'en parle, ça va revenir aux oreilles de... Des profs et tout ça, et ça va retomber sur les élèves qui vous embêtent, et du coup ça va ne faire qu'envenimer les choses. Mais on peut trouver une solution, faut en parler, faut pas garder ça pour soi, parce que c'est vraiment très compliqué. D'ailleurs c'est ce qu'ils nous disent explique ici. Bon alors là on va quand même dans les extrêmes, mais c'est ce qui s'est passé avec Nick, il a tout gardé pour lui jusqu'au jour où ça a pété quoi. Après c'est une solution assez radicale, et là je pense qu'elle s'est servie de ce drame là et qu'elle a extrapolé la chose pour vraiment faire prendre conscience que l'école, c'est vraiment pas évident et que c'est avant tout des élèves qui se côtoient. Alors, il y en a qui vont être populaires, d'autres qui vont être beaucoup plus discrets ou invisibles. Mais au final, que ce soit le populaire ou celui qui est discret, tout le monde souffre à l'école. Il y a toujours le regard des autres, le jugement des autres. Chacun se cherche, personne ne se trouve. Et du coup, on se flagelle par des mots, par des actes, pour essayer d'exister et de faire oublier ces peurs qu'on a adolescents, quoi. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. La construction du récit aussi est intéressante parce que vous allez avoir... bon, c'est pas vraiment un spoil, mais je vous le dis quand même. Dans la première partie, vous allez suivre donc Valérie qui réintègre l'école après des mois de convalescence suite à tout ce qui s'est passé, vous saurez pourquoi. Et la deuxième partie, on va revenir un peu en arrière quand elle est hospitalisée. Donc c'est pas forcément dans l'ordre, mais du coup ça nous permet d'avoir vraiment une vision globale de ce que ressent Valérie à travers... ses émotions et tout. Il y a aussi le poids des parents, les parents qui essayent de s'en sortir face à ce qui s'est passé, qui sont assez maladroits. Il y a la mère qui est assez maladroite, le père réagit encore autrement. Et ce qui est intéressant, j'ai trouvé aussi, c'est que les parents n'ont pas forcément, parce que je me suis dit, on est dans du jeunesse. Donc, des fois, il y a un petit peu de stéréotype. Mais il y avait certaines réactions de personnages, j'étais, ah ouais, quand même. J'étais vraiment choqué, je pensais pas qu'ils réagiraient comme ça. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment bien vu. Et ça se lit, mais à une vitesse... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y a un côté très triste, par contre. Faut pas y aller, vous doutez bien avec tout ce qui se passe. Mais même la fin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me demandais d'ailleurs comment elle allait finir son livre. Alors moi, je suis dégoûté parce que j'en avais trouvé un autre sur un site d'occasion. C'était Tornade, je crois, de la même autrice. Et j'avais vraiment envie de redécouvrir... un autre livre et comment elle abordait la chose. C'était un peu sur la même thématique avec des jeunes qui sont en recherche d'eux-mêmes. Et finalement, bah, je ne l'ai pas reçu, la commande a été annulée, je ne sais pas pourquoi. Et je n'en ai pas vu d'autres. Après, j'ai qu'elle a sorti un espèce de spin-off de celui-ci où on va suivre justement Nick. Mais je ne sais plus, c'est avant la fusillade, je crois. Mais je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Je pense que ça peut être sympa, mais est-ce que ça va apporter un vrai plus? Je ne suis pas sûr. Je vous le répète une dernière fois, c'est vrai que voilà, trigger warning quand même, la première partie peut être assez dure. La fusillade, tout ça, je pense que faut pas que vous ayez trop de sensibilité. Elle s'est pas censurée. Elle n'en fait pas trop non plus, elle ne rentre pas trop dans le détail, mais ça peut être quand même assez dur, sachant ce qu'on a déjà vu dernièrement aux informations il y a quelques années et tout, mais je préfère le souligner. Ensuite, je vous en avais parlé la dernière fois lors du Book Haul, j'ai découvert Dawn Kurtagish, des brumes
Les Brumes affamées, donc aux éditions du Chat Noir. Donc livre que j'ai acheté suite au conseil de ma pote Magali. Donc je vous mettrai son Insta en barre d'infos, c'est Books of Zatanna. Et on l'a lu aussi avec Mylène, donc l'origami des songes, qui est également sur Instagram, je vous mettrai également son truc. Et du coup, Magali l'avait dans sa palle et m'a proposé, bah tiens Laurent, si on faisait une LC dessus, ça te dirait, tu verras, c'est trop bien et tout, j'ai lu The Dead House, c'est génial. Je lui ai dit, bah écoute, banco, on y va. Pareil, livre que j'ai adoré. On n'est pas passé loin du coup de cœur, mais il est encore pas là. Je vous expliquerai pourquoi après. On va d'abord suivre Zoé de nos jours, qui veut découvrir et explorer les ruines de Milhaus parce que son père perd ses souvenirs petit à petit et il était obsédé par ce manoir et elle veut savoir pourquoi, ce qui s'y cache. Ensuite, on découvre Roanne en 1851, qui elle emménage à Milhaus. Son père est décédé et elle n'est pas encore majeure. Et son père a décidé de confier sa fille au maître des lieux jusqu'à sa majorité. Donc elle arrive là-bas, elle va rencontrer d'autres orphelins. Et elle va comprendre qu'il y a des choses bizarres la concernant. Elle comprend pas Juan parce que ce mec-là, elle en a jamais entendu parler. Son père lui en a jamais parlé. Pourquoi lui ? Et elle arrive dans ce manoir et très vite, il y a un malaise. Il y a quelque chose qui est très bizarre. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et ensuite, on va en 1583 où on va suivre Hermione qui est une jeune mariée et qui suit son mari sur des terres sauvages. Et il va décider de construire une maison, donc la future Milhaus, et également un moulin. Et le destin de ces trois femmes va se retrouver lié. Comment vous dire ? Quand j'ai abordé ce livre, sans mentir, les 100 premières pages, je n'ai rien compris. C'est-à-dire, j'ai rien compris. Je comprenais ce qui était écrit. Attention, j'arrivais à suivre l'histoire, mais on vous amène dans l'histoire comme ça. Pour moi, je me mets dans ma tête, c'est comme si on prenait une boîte de puzzles, que vous ouvriez la boîte, qu'on balance le puzzle sur la table et qu'on enlève le modèle. Et là, vous êtes avec les pièces et vous dites, waouh, je fais quoi ? C'est quoi que je dois faire ? C'est quoi l'image au final, et vous amusez à faire le puzzle, et au fur et à mesure, l'image va se révéler devant vous. Et c'est ce que fait Dawn Curtagis. Vous commencez le roman, vous ne comprenez rien. Donc c'est très très mystérieux, vous arrivez à suivre donc cette fameuse Roanne qui arrive dans ce manoir, vous suivez Zoé qui va décider d'aller explorer les ruines de ce manoir aussi, selon les différentes époques. Et vous vous laissez entraîner par le récit. Moi je trouve que Dawn Curtagis, en 3 pages, elle vous installe une ambiance de ouf. En plus, je trouve qu'au niveau du manoir, on se trouve dans un manoir qui est un peu isolé au milieu des montagnes. Le manoir est toujours entouré de brumes constamment, bah, les fameuses brumes affamées. Y a une ambiance très très malaisante, on lui dit qu'il faut pas sortir. Quand Roanne, le soir, elle va se coucher dans sa chambre, on lui dit ne sors pas de ta chambre. Enfin, c'est très 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 mystérieux. Derrière, vous avez aussi également une touche féministe. Parce que du coup, on va voir Roanne et il va y avoir d'autres hommes face à elle. Et puis, avec des réflexions un peu... à des pâquerettes. Mais ce qui est bien, c'est que Roanne, et puis il y a l'autre petite orpheline, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle se laisse pas faire. Elle leur en met plein la tête, ça j'ai adoré. Et la particularité de ce roman avec Dawn Curtagis, c'est que Dawn Curtagis ne se contente pas d'écrire un livre. Alors je sais pas si vous voyez, il y a du noir, il y a tout ça. Alors j'essaie de vous montrer, mais sans jamais vous spoiler. C'est que très souvent, vous avez une mise en page qui est assez particulière. Par exemple, vous commencez ce livre-là, vous avez une page comme ça. Ensuite, vous avez les entêtes de chapitre. Bon, ça, les entêtes de chapitre, je peux vous montrer, il n'y a rien d'extraordinaire. Et très régulièrement, vous avez de la documentation qui tombe comme ça, sans forcément comprendre pourquoi. Vous avez ce genre de document. Là, vous avez un acte de décès. Elle joue avec les mots aussi. Alors, attendez que je les retrouve. Voilà. D'un seul coup, vous avez une phrase qui va être en gros, qui apparaît là, paf. Qui est décalée du texte, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez également du texte qui est à l'envers, donc c'est à lire dans un miroir. On comprend après pourquoi. Et il y a un petit jeu comme ça qui se crée et que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui nous met vraiment dans une ambiance. Par exemple, vous voyez, vous avez en partie, vous allez suivre Roanne, après vous allez suivre Zoé aujourd'hui, donc c'est marqué de nos jours, Roanne en 1851. Vous voyez, là, Zoé, à un moment, elle écrit dans son journal, donc c'est écrit de façon manuscrite. Et en général, Zoé, quand vous allez la suivre, elle est vraiment... elle nous compte, en fait, ce qui se passe. Et vous avez des échanges de SMS. Ça se présente comme ça. Enfin, le livre est assez singulier, je trouve, dans sa construction. Et il y a même des photos, et je trouve que... Pareil, ça amène un truc... Il y a un moment dans le livre, je vous dis pas où, je vous dis pas quoi. Vous êtes en train de lire, vous tournez la page, et là, vous tombez sur une double page d'une photo, et ça m'a... Waouh. Mais l'ambiance, alors moi j'ai pris l'habitude, pas tout le temps, mais dès que je sais à peu près le genre que je lis et à peu près l'histoire vers quoi ça va tourner, je mets une petite playlist musicale, alors sans parole, parce que moi s'il y a des paroles j'arrive pas à lire, sans parole, je l'ai fait pour ce livre-là, mais ça m'a immergé encore à un level supérieur.
Mais franchement, Dawn Kurtagish, c'est le feu. Allez-y, si vous aimez les romans d'ambiance. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez rien au début, c'est voulu. Et Magali m'a expliqué que pour Dead House, c'était le même principe. Petit à petit, ça va commencer à s'éclaircir, elle va commencer à vous donner des indices. Et par contre, un truc aussi que je souligne, parce que c'est rare que ça m'arrive, moi en général, quand je lis un thriller ou un roman en suspense, ce genre de choses, je cherche toujours qui c'est. C'est plus fort que moi, et du coup, à la fin, quand je trouve, je dis, ah ouais, bah, c'est ça. Donc du coup, ça me gâche plus ou moins la lecture, mais c'est plus fort que moi. Ici, je comprenais pas tout. Ben, au bout d'un moment, j'ai lâché prise. J'ai dit, c'est pas grave, Laurent, tu comprends pas. Profite. J'ai lu le livre sans chercher le pourquoi du comment. De toute façon, je vous mets au défi de trouver ce qui se passe, parce que c'est très compliqué. Au moment où vous pensez saisir un élément du truc, vous tournez la page, il se passe autre chose, et vous dites, putain, ça m'a échappé. Je pensais que c'était ça, et non, elle te dit une phrase qui fait, non, ça ne peut pas être ça. Et tu es sans arrêt en train de dans la réflexion, de dire, mais c'est quoi, bordel, c'est quoi? Elle a un talent de fou. Moi, si c'est pas un coup de cœur, c'est parce que je trouve que la fin est trop précipitée. Elle prend vraiment son temps pour exposer. C'est vrai que le début est très long. On s'ennuie jamais. Moi, j'ai pas trouvé forcément de longueur. J'ai beaucoup aimé. Par contre, je trouve que ouais, la fin est un peu expéditive dans le sens où elle a vraiment pris le temps tout le long de son récit. Et quand arrive la fin, alors après qu'il y avait peut-être de la frustration que ça se finisse, parce que moi, je voulais pas l'arrêter ce bouquin-là. J'étais vraiment à fond dedans. Mais d'ailleurs, quand j'arrive en fin des parties, j'ai fait non, pourquoi? Vous avez même des. Et vous verrez, c'est très important pour l'intrigue, ça joue beaucoup. Donc déjà, la couverture qui est de Minaem, elle est absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé. Je suis super content d'avoir découvert cette autrice grâce à Magali. Et que les éditions du Chat Noir publient ce genre d'ouvrage, c'est franchement génial. Donc moi, j'ai les deux autres, j'ai très hâte de les découvrir aussi. Mais si vous aimez les romans gothiques, les romans d'ambiance, avec un mystère qui plane tout le long du livre, mais allez-y quoi, c'est le feu. Et je tiens quand même à souligner, parce que c'est quand même à souligner, le livre fait un peu plus de 400 pages, comme je vous dis, il est parsemé de plein de choses, vous voyez, vous avez même ça, regardez. Tout le long, hein, regardez, je vous mens pas, hein, vous voyez qu'il y a des différences de ton tout le long du livre, il est qu'à 19,90. Moi je trouve qu'il est vraiment pas cher, hein, et c'est le feu. C'est le feu. Ensuite, j'ai découvert un tout petit roman. Alors, c'est le petit roman de Martin Rua, donc Spiritum, un souffle de vie. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, au tout début que j'ai ouvert ma chaîne, je vous avais présenté Enfant des rêves, qui était aussi de Martin Rua, que j'avais beaucoup aimé. Ici, ça va être un petit peu différent. On va suivre Mathilde, qui est une étudiante originaire de Aix, qui a une vie à peu près normale. Et puis jusqu'au jour où elle est invitée à une soirée chez une copine, à l'une de ses meilleures amies. Jusqu'un soir où ils décident de pratiquer une séance de spiritisme. Et tout va basculer pour Mathilde. Alors je vous en dis pas trop parce que forcément le roman est petit, donc je veux pas trop vous en dire. J'ai beaucoup aimé. Moi je trouve qu'au premier abord, on peut l'aborder comme une histoire voilà, ordinaire. On va suivre une jeune fille qui va se découvrir avec plus ou moins des dons, où elle va voir certaines choses. Je vous dis pas quoi, je vous dis pas quoi. C'est trop court, franchement je vous dis pas. Et à côté de ça, moi je trouve que quand j'ai refermé le livre, l'histoire entre guillemets, elle s'est petit à petit un petit peu effacée pour. Parce qu'il y a quand même des mystères, des choses qui apparaissent dans. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Faut pas s'arrêter à l'histoire de base. Je trouve que l'histoire de base reflète beaucoup plus de choses qu'il y a derrière. Et pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui est spiritualité. Paranormal et tout ça. Les autres, ça les intéressera peut-être pas. Enfin, ils peuvent le lire, hein, ça reste une bonne histoire quand même. Mais il y avait des symboles. Moi, je suis resté quand même 3-4 jours à réfléchir sur le bouquin, de ce qu'on voulait montrer, parce qu'il y a certains mystères qui sont mis, qu'on voit sans vraiment avoir d'explication. Et je pense que Martin Rua, il fait ça exprès pour laisser part aux gens de leur propre interprétation des choses. C'est assez singulier parce qu'il y a quand même cette histoire de spiritisme. Vous allez voir, ça se passe pas vraiment comme on l'a dans l'image collective. C'est pas un roman qui fait peur. Je n'ai pas trouvé. Il y a quelques moments qui peuvent être peut-être un petit peu angoissants pour certaines personnes. Moi, j'ai trouvé que non, c'était vraiment une philosophie un peu de vie. C'est voir la vie autrement. Et on va suivre aussi cette jeune fille. Ce qui est bien, c'est que le livre est découpé d'une certaine façon. C'est que à chaque début de chapitre. Avant qu'on attaque le récit, vous avez tout un paragraphe où c'est Mathilde qui parle.
mais elle nous s'adresse directement à nous et elle est plus âgée. Et en gros, elle nous explique, ben voilà, quand j'étais jeune, il m'arrivait tel truc. Aujourd'hui, je suis comme ça, mais à l'époque, elle se revoit en fait adolescente et elle a le sourire. Elle se dit, oh, regardez, là, j'étais débutante pour ci, j'étais débutante pour ça. Autant le récit de Mathilde ado est intéressant, autant la façon dont Mathilde l'interprète en tant qu'adulte est bien vue aussi. J'ai beaucoup aimé le naturel des dialogues également. Martin, il va à l'essentiel, il va pas aller vous faire des détails pendant. Non, il écrit son histoire. Mais je trouve qu'il y a quand même, ouais, il y a, allez, comment vous dire? C'est comme si l'histoire de base était un peu une illusion pour qu'on gratte pour aller voir ce qu'il y a derrière. Enfin, c'est l'impression vraiment que j'ai eue. Par-delà le visible, au-delà des croyances. Ouais, c'est un peu ça en fait. C'est qu'il faut voir au-delà du roman. Parce qu'on va suivre du coup cette jeune fille qui comprend pas tout et qui est un peu perdue au milieu de ce qui se passe. Mais je trouve que ouais, le roman va vous habiter encore quelques temps après. Parce que j'ai réfléchi, après je me dis, ah ouais, mais ça peut être dû à ça. Ça peut être dû à ça. Donc, à essayer, je vous dis, c'est une bonne expérience. Je trouve qu'il y a vraiment une expérience derrière juste un simple livre. Après, malheureusement, peut-être que tout le monde n'aura pas cette sensibilité et cherchera pas à voir plus loin que le récit en lui-même. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais bien aimé le premier de l'auteur. Celui-là, je trouve qu'il est un peu plus, il est différent. Le premier était vraiment fantastique. Celui-là, il y a vraiment une dimension spirituelle derrière un peu plus importante. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Sur les conseils de Stéphanie, donc Chronique de Lully, je me suis procuré, parce qu'elle s'était procurée aussi, La Chose de John W. Campbell, donc dans la collection Une Heure Lumière chez Le Bélial. Donc c'est une collection qui va imprimer que des novellas. Donc le livre n'est pas très long, il fait 120 pages. Donc La Chose, vous avez le fameux film de John Carpenter qui est sorti par la suite. C'est, avant d'être un film, c'est un livre, c'est celui-ci. Donc le livre, il a été écrit en 1938. Et je trouve qu'au niveau de l'écriture, c'est ça se lit tout seul. J'ai pas senti cette différence. Ben, la plume, que la plume était plus classique, plus ancienne, un peu pas dans l'air du temps, quoi. Mais ça m'a pas du tout gêné. Donc en gros, pareil, l'histoire, je vais être assez bref. Hein, il y a des scientifiques qui se trouvent en Antarctique, un peu isolés dans une base, et ils vont découvrir enfui sous la glace un corps. Qui semble inhumain, donc peut-être extraterrestre. Ils vont le ramener à la base et ils vont essayer de l'étudier pour voir ce que ça peut donner, mais ça va pas se passer comme il faut. Alors, j'ai un gros problème avec ce livre. C'est que j'ai adoré le sujet. Je trouvais qu'il y avait matière à faire un truc de dingue. Par contre, je trouve que le livre est beaucoup trop court pour tout ce qu'il y a à dire. Donc, en gros, le souci, c'est que l'histoire est vraiment intéressante. Il y a vraiment matière à faire quelque chose de vraiment bien, mais c'est trop court. Et en fait, l'auteur passe trop vite sur les choses. En plus, quand il narre son histoire, je trouve qu'on passe d'une scène à l'autre un peu trop de façon abrupte. C'est que vous êtes en train de lire un passage et d'un seul coup, vous comprenez plus rien. Moi, sincèrement, régulièrement, j'étais confus dans le récit. Je sais, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Ça fait ça quand vous savez, quand moi je lis le soir avant d'aller coucher, j'ai tendance à aller jusqu'au bout du chapitre. Alors que je suis naze, hein, j'ai les yeux qui se croisent et qui se disent bonjour, je vois plus rien, j'ai une paupière ouverte qui est à moitié fermée. Et j'insiste jusqu'au bout, alors que je sais très bien que le lendemain, je vais reprendre le chapitre à la moitié parce que j'ai rien compris de ce que j'ai lu. Et là, c'est l'impression que ça me donnait, c'est que je passais d'un moment à un autre, je suis bah attends, là on était là, pourquoi on est là? Ben c'est qui lui? Et ça fait ça, donc pour le rythme du récit, pour les lieux, il y a beaucoup beaucoup de personnages. Moi j'en ai à moitié, je savais plus qui était qui, je cherchais plus à comprendre, à la fin j'ai lu, puis c'est tout. Vous vous rendez compte que pour lire ça, j'ai mis 3 jours. Parce que j'arrivais pas à rester dans le livre. Je le reposais parce que je n'y arrivais pas. Ça m'énervait, ça me saoulait. J'étais là, mais pourquoi, pourquoi? Alors qu'il y a l'ambiance, elle est là. Le sujet est hyper intéressant. Il y a le côté angoissant qui est présent de fou. Les personnages, leur psychologie, elle est là aussi. En soi, j'ai rien à lui reprocher. C'est juste qu'il est trop court. Et j'ai lu au début, vous avez un petit à propos du monsieur qui a traduit. Cette novella, et il nous explique qu'à la base, alors attendez, je vais vous le dire parce que je ne sais plus, je vous dis pas de bêtises. À la base, je crois que ce livre était beaucoup plus gros, mais l'auteur, il a décidé de tronquer plein de parties pour en faire quelque chose de plus petit. Et je sais pas, le traducteur dit que c'est mieux comme ça. Ben, moi, je trouve pas. Enfin, personnellement, je trouvais que le roman, il aurait fait 300 ou 400 pages, ça aurait été beaucoup mieux parce que là, ça se passe beaucoup trop vite. Moi, je trouve que c'était vraiment trop confus. Trop de personnages.
Au bout d'un moment, tu sais plus qui est qui fait quoi, tu passes d'une action à l'autre en l'espace de 2 minutes, et je me dis, mais on est où, on fait quoi, on est avec qui? Enfin, ça m'a gâché toute ma lecture, et c'est vraiment dommage parce que ce livre, il avait un potentiel de dingue. D'ailleurs, le film de John Carpenter, moi que je n'ai pas encore vu, mais voilà, il reste culte à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est que quelque part, le réalisateur, il avait vraiment une bonne base, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que je suis sûr que ça faisait un super livre. Je vais faire une demande avant de vous présenter le dernier livre. Je vais vous faire une petite demande. Si vous avez lu récemment, ça fait un mois et demi que ça me court après et j'arrive pas à trouver un livre avec des extraterrestres, donc comme celui-là, mais avec des extraterrestres méchants qui envahiraient la Terre. Est-ce que vous connaissez? Mais assez récent, je veux pas un truc genre La Guerre des Mondes et tout ça, je l'ai déjà lu et j'ai pris. Mais un livre plus récent, si vous avez, ou dans cette thématique-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et je ne trouve pas de livre là-dessus et ça me fatigue. Passons au dernier, c'était la petite aparté, au dernier livre. Alors, le dernier livre, c'est La Dame aux yeux vides de Cédric Murphy en auto-édition. Donc, livre que j'ai vu beaucoup, beaucoup passer sur les réseaux aussi. Et Magali, donc la fameuse Magali qui m'a fait connaître Dawn Kurtagich, m'a dit, mais Laurent, faut que tu lises Cédric Murphy, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, ici, dans cette histoire, on va suivre le petit Ben qui découvre dans son jardin des fées qui vivent avec leur reine. Je vous lis le résumé parce qu'en fait, ça se déroule d'une autre façon dans le livre, mais je ne vais pas vous spoiler. Et cette petite fée, se met à discuter. À discuter. Vous comprendrez pourquoi quand je dis discuter, discuter. Avec le petit Ben, et ils lui disent qu'il faut aider la reine à sortir de sa prison. Elle est prisonnière d'une autre dimension, si je puis dire. Et du coup, elle demande au petit Ben certaines choses qui vont l'aider à retrouver des forces et à pouvoir enfin revenir dans le monde réel. À côté de ça, vous avez des enfants qui disparaissent dans le quartier et le peu de témoins qui ont quelque chose à dire, des preuves ou quoi, ou un témoignage oculaire, on ne sait pas pourquoi ils trouvent la mort. Ben va se rendre d'ailleurs dans l'autre monde voir la reine, et la reine derrière son espèce de sorte de trône, il y a une porte. Et Ben n'a pas le droit de passer cette porte. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je me suis basé sur le résumé hein, pour vous faire mon synopsis de début. Et la dernière phrase, c'est « Sous l'apparence du conte de fées se cache le goût du cauchemar. » Alors moi, Cédric Murphy, j'avais jamais lu. Moi déjà, je parlerai déjà de couverture qui est absolument sublime. C'est écrit plutôt gros, donc c'est super agréable. Parce qu'il a l'air gros comme ça, mais il n'est pas très gros. Hein, il fait 450 pages. Moi, j'ai lu en 2 jours, j'ai vraiment adhéré. Je trouve que c'était vraiment sympa, ce monstre avec cette reine qui est assez originale. L'idée de se servir de certains symboles de contes de fées était vraiment bienvenue. L'idée que le héros soit un enfant, c'est assez différent. Et en plus, les parents ne sont également incorporés dans le récit. On n'a pas que le gamin, quoi. Après, la psychologie des personnages était quand même bien travaillée. Je trouve qu'il y avait des réflexions aussi sur certaines choses, parce que vous saurez que Ben, il a son papa et sa maman qui sont séparés. Et sa maman s'est remise avec une femme. Il y a certaines thématiques qui vont être abordées, et je trouve que c'était vraiment bien foutu. Le seul truc, moi, je trouve qui m'a manqué, c'est qu'il manquait d'ambiance. Personnellement, je trouve qu'il n'y avait pas assez d'ambiance. Et comme vous pouvez le voir, et ce qui est écrit là, c'est que c'est marqué pour public averti. Donc, gros, 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 gros trigger warning. Dans ce livre, je vous dis qu'on suit un petit Ben, mais également sans vous vraiment vous spoiler, mais je suis obligé de le dire. On assiste aussi à des scènes assez qui peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. C'est ce qu'il écrit en bas. Attention, roman pour un public averti, quelques scènes peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Moi, le livre, il a des scènes qui m'ont profondément mis mal à l'aise, qui m'ont profondément choqué. Là, quand je vous dis trigger warning, mais c'est trigger warning, quoi. Si vous aimez pas. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les livres qui font peur, mais les livres qui ont une ambiance, qui vont vraiment juste jouer sur la peur. Moi, les livres où il y a du gore à gaver, où il y a du sang, où il y a des tortures, où il y a. Enfin, on va aller vraiment dans le mal, dans le noir, dans le malsain. J'aime pas ça. Moi, c'est un truc, ça passe pas. Je suis trop sensible, je peux pas. Et là, pas sur tout le livre, hein, parce que vous voyez, j'ai lu en 2 jours, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pas sur tout le livre. Mais il y a certaines scènes qui sont vraiment, vraiment hardos pour moi. Et du coup, je peux pas dire que c'était une excellente lecture. C'était vraiment bien, mais ça m'a vraiment cassé mon truc, quoi. Parce qu'il y avait vraiment, oh, il y a des scènes, c'était pas possible, quoi. Donc, si vous êtes vraiment sensible, n'y allez pas. Je suis désolé, hein, je vous montre un livre que je vous dis pas à y aller, mais
Parce que franchement, c'est ardos. Ça va vraiment très très loin. Mais il y avait des scènes où j'étais vraiment. Du coup, quand je l'ai fini, je suis allé voir Magali, parce que Magali l'a lu et a eu un coup de cœur dessus. Mais c'est voilà. Je crois que le problème, c'est que c'est vraiment une histoire de sensibilité. Je pense que Magali est sensible aussi, mais sa sensibilité n'est pas la même que la mienne. Donc du coup, elle a réussi à apprécier. Elle aime beaucoup tout ce qui est noir, tout ce qui est. Et après, il y a des choses qui, chez elle, ne va pas. Je peux pas vous dire quoi. Hein, ils ne la toucheront pas et que chez moi, ça va me toucher beaucoup plus. Donc après, Cédric Murphy, il arrive quand même vraiment à amener donc cette fameuse reine. Il amène vraiment quelque chose de très original qu'on n'a pas vu partout. Enfin, moi, je trouve pas qu'on l'ait vu partout. Ça m'a fait penser à un certain film, je ne dis pas lequel parce que ça pourrait gâcher votre lecture, mais c'est très noir. Donc même si on est en présence d'enfants, même si on est en présence de petites fées, c'est pour mieux vous détourner parce qu'en fait même les fées, quoi, c'est juste pour jouer avec l'innocence du gamin, quoi. Donc si vous voulez découvrir cette histoire, je vous en ai dit très peu, hein, je veux pas vous. On est vraiment dans limite, ouais, un film d'horreur à connotation féerique macabre, on va dire. Mais ouais, restez sur vos gardes. Si vous aimez le gore et tout, allez-y. Sinon, mais n'y allez pas, quoi. Franchement, je vous le redis. Hein, fait 20 fois que je le dis dans la vidéo, mais franchement, j'ai pas envie quand même de me voir en me disant, bah Laurent, t'as conseillé ce livre-là, je l'ai lu, j'aurais jamais dû. Non, non, non. Déjà, c'est pour adultes. Hein, c'est un livre pour adultes. C'est pas un livre pour ados. C'est pas un livre pour enfants. C'est vraiment un livre pour adultes et adultes avertis. Si vous êtes du genre à lire des lectures choubidou, c'est pas la peine d'aller là-dedans, c'est mort. Et si vous aimez comme moi tout ce qui est angoissant et qui peut faire peur et tout, les livres de frissons, préparez-vous. Préparez-vous, c'est tout ce que je vous dirais. Voilà. Je ne veux pas être responsable si vous le lisez et que vous êtes vraiment choqué. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Je n'en dirai pas plus. Il y a quand même un certain mystère qui plane, il y a quand même un certain suspense. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on sent que le roman est. C'est décousu, cette critique, je trouve. Ce roman est maîtrisé de bout en bout. Cédric Murphy, il a vraiment travaillé son histoire et vous resterez pas sans réponse. Il va apporter des réponses à tous les mystères qu'il a amenés. Franchement, vous ressortez de là-dessus, là-dedans, c'est carré. Après, quand j'y repense, j'ai vraiment quand même beaucoup aimé, malgré les quelques scènes, qui pour moi, alors je sais pas, on en a parlé avec Magali. Magali trouve que les scènes, elles sont justifiées. Et moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas que c'est justifié, qu'on aurait pu faire sans. Mais après, c'est ça l'intérêt que je trouve qui est bien, c'est que, comme je vous dis, on n'a pas forcément les mêmes lectures avec Magali. Et là, elle m'a amené son point de vue, j'ai amené le mien et on a pu en débattre et j'ai pu m'éclaircir sur certains sujets à propos de ce bouquin. Donc, comme quoi, c'est pas parce que les autres n'ont pas les mêmes goûts que vous qu'on peut pas en discuter et en débattre. Donc voilà pour ce point de lecture qui est quand même un peu brouillon, je trouve, hein, mais c'est des lectures qui remontent un petit peu. J'en ai encore un à vous faire que je vais vous faire aussi. Donc, je pense que vous aurez encore un point de lecture la semaine prochaine que j'essaye de me mettre plus ou moins à jour. Parce que là, le petit Laurent, il fait un petit peu n'importe quoi. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si des titres vous plaisent ou s'il y en a que vous avez découvert, hein, bien évidemment vous avez vu, hein, on n'était pas sur une thématique particulièrement joyeuse avec ces lectures-là. Sur ce, moi je vous dis à plus tard. Salut.